des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. 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 Dis, monsieur Pierre, tu as vu ma collection de timbres? Montre-moi ça, Bachir. Bien, bien, ils sont magnifiques. Tiens, celui-là ressemble au prince Blub. Prince quoi? Fais voir. Vous voulez que je vous raconte l'histoire du prince Blub et de la sirène? Oh oui, oui, monsieur Pierre. C'est une histoire de timbres? Si on veut. Il était une fois un vieux roi qui régnait sur une île. Ce roi avait un jeune fils qui s'appelait le prince Henri, Marie, François, Roger, Guy, Pierre, Antoine, et qui aimait beaucoup pêcher la crevette. Oh. Eh bien, faut pas te gêner, petit. Oh. Comment t'appelles-tu, mon mignon? Je suis le prince Henri, Marie, François, Roger, Guy, Pierre, Antoine, Madame Poisson. Voilà un nom bien long pour un si petit prince. Moi, je vais t'appeler Blub. Si vous voulez, Madame Poisson. Appelle-moi Sirène, c'est plus gentil. Dis-moi, Blub, tu veux bien jouer avec moi? Oh oui, Madame Poisson... Madame Sirène. Alors? Tu viens? Allez, elle est bonne! Je ne sais pas nager! Ça ne fait rien, je vais t'apprendre. Tu as aimé? Super! Quand je serai grand, je t'épouserai. Allons! Tu épouseras plutôt une belle princesse avec deux jambes comme tout le monde. Non, non, je n'épouserai que toi. Écoute, nous en reparlerons quand tu auras 15 ans, d'accord? Joyeux anniversaire, Henri, Marie, François, Roger, Guy, Pierre, Antoine! Joyeux anniversaire! Puisque vous semblez apprécier l'eau, mon cher fils, voici votre cadeau. Oh, juste ce que je voulais! Vous y soufflez? Mariée dans l'année? C'est vrai, maman, je vais me marier avec une sirène. Quoi? Voyons, mon fils, tu sais bien que les sirènes n'existent pas. Je vous demande bien pardon. Moi, j'en connais une très belle. Tous les matins, je me baigne avec elle. Je l'aime. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Donnez-vous donc la peine d'entrer, vos majestés. Si vos altesses veulent prendre la peine de s'asseoir. Dégage! Qu'est-ce qui ferait plaisir à vos seigneuries? Un petit envoûtement, anathème, messe noire, magie blanche, loup-garou, alchimie, talisman. Réponds seulement à cette question. Est-ce que ça existe vraiment, les sirènes? Les sirènes? Hélas, oui, monseigneur. Et ce sont des démons. C'est que, voyez-vous, maître, notre fils est tombé amoureux d'une sirène. Diable! S'il l'épouse, il va devenir un ondin, avec une queue de poisson à la place des jambes. Et plus grave, les ondins et les sirènes sont immortels. Ils ne pensent qu'à s'amuser. Il ne voudra plus vous succéder comme roi. Ça, pas question! Bien dit, monseigneur. Mais attention, il va falloir ruser. Ces démons sont de vrais... démons. Tout est arrangé. Mon père est d'accord pour que je t'épouse. Il va venir ici te parler. Ton père est un malin, c'est un piège. Mais qu'importe, qu'il vienne. Ne crains rien pour moi, je suis immortelle. Et si on nous sépare? Oh, ne t'inquiète pas, laisse-moi faire.
Alors la voilà, la fameuse sirène. Jolie. Qu'est-ce que vous lui voulez à la fameuse sirène? Rien de mal, au contraire. Juste lui baiser la main et lui présenter ces messieurs de la cour. Allez-y, baiser. À moi, poissonnier. Emportez-moi ce monstre et coupez-lui la queue en tranches pour la vendre au marché. Quant à vous, mon cher fils, je vous envoie par le prochain avion chez mon cousin l'empereur de Russie, lequel vous gardera chez lui jusqu'à ce que vous ayez renoncé à cet amour idiot. Voilà tes appartements, mon neveu. Tu es ici chez toi. Bien sûr, il n'y a pas l'océan, mais qu'à cela ne tienne, il y a une salle de bain. On est civilisé tout de même. La soupe aux choux est servie à 6 heures. Attends, je vais te lever tes filets, mignonne. Allez, un fond, un sirène, mamie. Je suis votre ondin, vous êtes ma vie. À nous deux, ma jeune. Oh. Bonjour, mon prince Blub. Tu m'aimes? Oui, je t'aime, je veux t'épouser. Attends un peu, l'épreuve ne fait que commencer. J'ai compris. Fini la salle de bain. Demain, prince ou pas, tu te laveras dans une cuvette, mon neveu. Un et un font un, sirène, mamie. Je suis votre ondin, vous êtes ma vie. Bonjour, mon prince Blub. Tu m'aimes encore? Je t'aime, je t'adore. Attends toujours, car l'épreuve est en cours. Bon, la cuvette, c'est terminé. Tant pis pour la propreté. Regarde bien. Qu'est-ce qu'il fait? Un et un font un, sirène, mamie. Je suis votre ondin, vous êtes ma vie. Mon cher cousin, j'ai fait ce que j'ai pu, mais il m'est impossible d'empêcher ton fils d'évoquer cette sirène, à moins de le faire mourir de soif. Je te le renvoie donc et que Dieu vous garde. Je ne vois qu'une solution, vos seigneuries. Il faut transformer le prince en timbre-poste et le coller à l'endroit le plus sec du palais, afin que pas une goutte d'eau n'y touche. C'est une idée. Plus un mot, le voilà. Bonjour papa, bonjour maman, bonjour maître. Bonjour fils, approche donc. Abracadabra, tu deviens tout plat. Abracadabri, tu deviens tout petit. Abracadabré, tu deviens papier. Abracadabrant, du papier collant. Alors, tu veux toujours épouser cette sirène? Oui, je le veux toujours. Alors tant pis pour toi. Je vais te coller au mur. Arrêtez! Ne le mouillez pas, majesté. C'est juste. La salive, c'est aussi de l'eau. Et comment faire pour qu'il reste au sec? Les mois passaient. De temps en temps, le roi demandait à son fils: tu veux toujours épouser ta sirène? Oui, je le veux toujours. Oh! Cette année-là, il plut beaucoup. Il y eut des orages, des tempêtes et même un raz-de-marée. On me fait du souci pour le petit. Oh, Dieu soit loué, il est resté au sec. Dis-moi, mon garçon, tu veux toujours épouser cette sirène? Oui, je veux toujours, papa. Mon Dieu! L'année suivante, il y eut la guerre. Que faites-vous, monseigneur? Je ne vais tout de même pas laisser brûler mon fils! Au secours, papa! Au secours! Mais c'est de l'eau, majesté! Une seule goutte et il rejoint à tout jamais sa sirène! Je préfère le voir épouser une sirène plutôt que de le laisser brûler! Au secours! Tiens bon, mon fils! J'arrive! Non, papa, ne saute pas! Non!
mon fils, mon cher Henri-Marie-François-Roger-Guy-Pierre-Antoine. Appelle-moi Bleu, père. Merci, tu m'as sauvé la vie, mon papa chéri. Je t'obéirai toujours. Oh, mon fils, mon Blub, tu as rejoint le royaume des sirènes. Tu es heureux. Maintenant, je peux mourir. L'incendie à peine éteint, on apprit une terrible nouvelle. La flotte ennemie était signalée. Elle arrivait à toute vitesse pour tenter un débarquement. Mais là, ce que faire? Ah, mon fils, mon enfant, mon Blub, dans quel état tu laisses ton pays? Ne pleure pas, père. Tu m'as sauvé. Tu as su préférer mon bonheur à ta colère. Tu n'auras pas à le regretter, car je suis à présent le prince des mers et je te protégerai. Observe un peu l'horizon. Mon Dieu. Regarde mieux, papa. Je te présente ma femme. Enchantée. Je m'excuse pour l'autre jour. Je ne vous en veux pas. Allez, on est heureux tous les deux maintenant. Et grâce à vous... Oh, vous êtes trop bonne, ma fille. Le vieux roi prit sa retraite. Le prince Blub et la sirène lui succédèrent et régnèrent sur l'île heureuse. Et comme ils étaient immortels, ils y règnent sûrement encore aujourd'hui, car aucune flotte ennemie n'osa plus jamais venir les attaquer. Mais que fais-tu, Bachir? Il voulait être sûr que c'était un vrai timbre et que c'était pas un ondin emprisonné. Oh,